Salut tout le monde! Voilà, aujourd'hui c'était le gros repas de Noël avec la famille, les cousins, les oncles, les tantes et tout ça. C'était très sympa et il y a de l'évolution là-dedans parce que ça fait aussi avancer. Il y a cette histoire, il y avait le match de foot et je vous raconte tout ça. Moi, j'ai passé longtemps à être contre le foot, à être contre la période de Noël, parce que c'est commercial, parce que le foot, et ça fait truc, et tout ça, et tout ça. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que... Alors, le foot, j'aime pas. Je m'en fous complètement. Mais j'essaie de me positionner autrement que être contre. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et cette recherche en moi de me découvrir, ce challenge vidéo et tout plein d'autres choses que je fais... C'est super intéressant là-dedans parce que j'arrive à ne pas m'y intéresser tout simplement parce que ça m'intéresse pas. Il y a tous ces trucs-là de l'écologie, de nana, de trucs, et puis on met les clims dans les stades, et puis les joueurs ils sont payés super cher. J'ai pas de levier là-dessus, j'ai aucun levier. J'ai le droit que ça m'intéresse, que ça m'intéresse pas. Là, avec, il y avait tout le monde qui était à fond. Alors, en plus, depuis la Suisse, j'étais content que les Français y perdent. Et j'ai trouvé ça hyper rigolo. Et juste à réussir à m'intégrer là-dedans. C'est comme ce repas de Noël aussi. Voilà, pareil, Noël, c'est une fête, que truc. Puis ça vient de ça. Puis on peut se raconter plein de choses. Et c'est OK de se raconter plein de choses. On peut aimer, ne pas aimer. Moi, en tout cas, je me sens vachement plus en paix juste de le vivre. Je vis ce moment. Ok, il y a des choses auxquelles j'adhère pas, mais comment je peux le transformer pour trouver du plaisir dans ce moment ben, où les gens ils sont juste en joie devant un match de foot, ils sont en joie de chanter des chants de Noël que moi ça fait pas du tout partie de moi, mais c'est ok. C'est ok. Alors du coup, ben, quand ils chantent Noël, que j'ai pas envie de chanter, ben, je chante pas. Mais je suis avec eux et je partage cette joie-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime vivre, de juste d'être OK, de vivre les choses et de les partager avec les gens qui aiment les vivre et qui ont plein d'autres choses et de regarder les autres choses que moi je suis OK de vivre. Voilà, j'ai encore une fois aucun levier sur le fait que Noël... Chacun pense ce qu'il en pense, que ce soit une fête qui rapporte énormément de sous à l'État, que ce soit une fête commerciale, j'ai aucun levier dessus, donc autant que je me raccroche pas à ça. Que le foot, je trouve ça tellement débile que ça génère autant de sous à courir derrière un ballon. Ben en attendant, s'ils se font plaisir avec ça, et puis si ça les rend heureux de faire des sous avec ça, mais tant mieux, mais vraiment profondément quoi. Et j'adore vivre ça, j'adore réussir à toucher ce truc-là, me dire, ok, ça j'aime pas, les choses que j'aime pas, je les mets de côté, je les regarde pas, en plus si j'ai pas de levier dessus. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là qui est en train de se jouer? Qu'est-ce qui se passe que j'aime bien? Eh bien, je vais vers là. Et c'est vraiment nouveau pour moi, et c'est vraiment très reposant, c'est vraiment très joyeux. Et voilà. Donc c'était le petit partage du jour, le repas de Noël avec les chants de Noël, avec le sapin de Noël, avec le match de foot, toutes ces choses-là qui font pas du tout partie de moi, mais que voilà, encore une fois, je le redis, toutes ces choses-là que j'aime pas, je les mets de côté. Qu'est-ce que j'aime bien? Eh bien, je vais vivre ce que j'aime bien, tout simplement. Voilà. Merci pour les commentaires d'hier, ça apporte beaucoup de réflexion aussi. Que je pense que je vais peut-être développer cette semaine un petit peu parce que ça apporte des choses. Joyeux Noël et à demain. Ciao!